Au sud-ouest de la Picardie, dans l'Oise, Beauvais est situé à 80 km de Paris. Sa richesse s'est construite autour du textile au Moyen-Âge et à partir du XVIIe siècle, autour de la manufacture des tapisseries qui existe toujours aujourd'hui. Le centre-ville, détruit en 1940, est quasi totalement reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui domine le paysage quand on arrive à Beauvais, c'est la silhouette massive, grandiose et inachevée de la cathédrale Saint-Pierre. Emblématique de la ville, c'est le symbole de son histoire et de sa prospérité. Avec Marie Ansart, animatrice du patrimoine, et Jean-Lucien Guénoun, conservateur de la cathédrale, nous découvrirons les conditions de sa construction. Marie rencontrera ensuite Olivier Naudet-Langlois, qui nous contera l'histoire de l'édifice. Puis, nous nous intéresserons à la charpente du bâtiment avec Patrick Hofsemer. Jean-Paul Crabbe est horloger et passionné de rouages et de mécanique. Il nous présentera le trésor de la cathédrale. Jean-Marc Fémolan, lui, est archéologue. Il a fouillé les lieux et nous parle de la période romaine de Beauvais. Enfin, Jean Gallard nous présentera l'autre trésor des lieux, les grandes orgues de la cathédrale. Ceinturé par le castrum, l'ancienne muraille gallo-romaine, le quartier cathédral contient le palais épiscopal, quelques maisons médiévales encore intactes, et non pas une, mais deux cathédrales. En effet, subsiste à côté de la cathédrale Saint-Pierre, l'ancienne cathédrale carolingienne, appelée Basse-Œuvre. Donc ici, on est aux origines du quartier cathédral et du pouvoir de l'évêque. On a ici un édifice exceptionnel, puisque c'est un édifice qui est bâti autour de l'an 1000, probablement début 11e siècle, ce qui est très rare en France, et on a la chance surtout d'avoir à la fois la cathédrale d'avant la reconstruction et la nouvelle cathédrale, ce qui permet de voir vraiment la différence d'échelle entre cette construction des années 1000 et cette cathédrale qui est dans son volume du XIIIe siècle. À la fois, donc, comme je disais tout à l'heure, cette grande échelle de la cathédrale et de la Basse-Œuvre qui devait disparaître en fait, puisque la cathédrale devait être construite en détruisant la Basse-Œuvre. Oui. Faute d'argent, donc ça n'a pas été terminé. Et ce qui fait notre richesse, parce qu'on a deux cathédrales, l'une à côté de l'autre. Absolument. Et puis derrière nous, donc, le palais épiscopal, qui est un ensemble architectural exceptionnel et qui traduit l'évolution des bâtiments au cours des siècles. Et donc ici, en fait, qu'est-ce qui a fait le pouvoir des évêques? Pourquoi ils sont si importants, les évêques de Beauvais? Les évêques sont pairs de France, il y a 7 évêques qui sont pairs de France. Ils participent donc au sacre du roi à Reims. L'évêque de Beauvais est chargé de porter la toge royale. Donc chaque évêque a sa fonction. L'évêque qui va rebâtir la cathédrale au XIIIe siècle suite à un incendie de la Vasseur, Milon de Nanteuil, est un personnage très puissant et très proche aussi de la papauté. D'accord. Donc il veut ici ériger un nouveau Saint-Pierre. On est presque à Rome pour lui. C'est un édifice qui doit avoir l'ampleur de Saint-Pierre de Rome. Entrez, Marie. Écoutez, je suis content qu'on visite cette cathédrale ensemble. Marie a rejoint Olivier Naudet-Langlois, qui préside l'association Beauvais Cathédrale, l'organisme qui prend soin du bâtiment au quotidien. Donc, elle a été construite quand, la cathédrale? Elle a été construite en deux fois. La première partie de la cathédrale, qui est le cœur, a été commencée en 1225 et va avoir été achevée en 1275. C'est le cœur le plus haut du monde, le cœur en pierre. Bon, elle fait 46-48 mètres de hauteur. Sous voûte. Sous voûte. Pas au niveau du toit. Non, sous voûte. Mais 46 mètres de hauteur, c'est la hauteur des tours de 15 étages. Mais les tours de 15 étages, elles ont des planchers, elles ont des murs, elles ont des façades qui les tiennent. Ici, il n'y a rien. Ce magnifique cœur, à peine achevé, la cathédrale va subir un premier accident. Donc en 1284, seulement 12 ans après la finition du cœur, une partie du cœur s'est effondrée. Effectivement, il semble que le poids
de la structure qui pesait sur ces piles, parce qu'il n'y avait qu'une seule pile sur deux, hein, était trop important. Et donc, on a été forcé de rajouter un pilier entre chacun. Voilà. Et on voit la trace de l'ancienne voûte, ici, de l'ancienne arche, et puis le pilier. Alors là, on arrive, si vous voulez, grosso modo, en 1280, 1300, on a fini le chœur, et puis il y a les guerres de 100 ans. Et on arrête tout. Et on va reprendre la construction de la cathédrale, c'est-à-dire la construction du transept, au début du XVIe siècle. Et c'est à ce moment-là où Martin Chambige va en particulier édifier ces extraordinaires piliers qui font aussi 48 mètres de haut, voilà, et qui vont marquer la croisée du transept. D'accord. Ces quatre piliers de Chambige ont fasciné tout le monde, et en particulier l'évêque de l'époque a voulu que l'on établisse sur ces quatre piliers une tour-lanterne, avec une flèche, de façon à élever la croix la plus haute de la chrétienté, de monter à 157 mètres de hauteur, si je ne me trompe pas trop. C'est-à-dire qu'on a fait une demi-tour Eiffel en pierre et en bois. Et elle était finie, je crois, en 1569. Je crois que vous avez tout à fait raison. Un deuxième accident va intervenir peu de temps après la reprise des travaux. Et 4 ans plus tard, l'histoire se répète. Et alors, c'est ça qui est formidable, c'est que très vite, on se rend compte que les piliers ne tiennent pas. Et l'évêque d'alors dit, écoutez, on va faire la célébration de l'Ascension, et puis après, on va entreprendre les travaux. Et le jour de cette Ascension, alors que la procession sort par le portail sud, qui est le portail royal, qui est le plus prestigieux, puis on est au soleil, comme on le voit, la flèche s'effondre du côté nord. Et heureusement, il n'y avait plus personne dans la cathédrale. Il n'y avait plus personne dans la cathédrale et il y aura deux blessés, ce qui est un miracle extraordinaire. Puis alors après, la petite histoire nous dit qu'il fallait enlever les détritus qui restaient là-haut. Voilà, et personne ne voulait monter là-haut pour enlever les débris. Oui. Et l'évêque va proposer la vie sauve à un condamné à mort s'il acceptait d'aller enlever ce qui se passe là-haut. Voilà. D'accord. Elle restera inachevée, là, on voit devant nous. La nef n'a pas été construite. Voilà. Alors, je dirais qu'on dit beaucoup que la nef n'a pas été construite parce qu'il ne restait plus d'argent. Personnellement, je pense que surtout, il n'y avait plus le sentiment. On était passé du mysticisme qui a fait établir un chœur le plus haut du monde, voilà, à la Renaissance, à l'humanisme. Marie retrouve Jean-Lucien Guénoun pour une petite leçon d'architecture. Ici, nous sommes sur le niveau des terrasses hautes de la cathédrale. D'accord. Et cet étage permet de comprendre, en fait, la reconstruction qui a eu lieu après l'effondrement de 1284. D'accord, donc il y a le premier effondrement après la construction du chœur, en fait. Voilà. Il faut s'imaginer donc que ces piles-là restent donc d'avant l'effondrement, elles sont d'origine. D'accord. Vous voyez, elles sont extrêmement plates et très larges, donc elles offrent une prise au vent extrêmement importante. Oui. Donc quand on reconstruit, on essaye d'avoir une pile qui est en forme de croix. Ah oui, on voit vraiment la différence. Là, il y a les colonnettes et là, ça fait un peu plus massif en fait. Voilà, donc c'est destiné à résister à la poussée du vent parce qu'on suppose que l'accident de 1284 est dû à une tornade qui aurait mis en vibration le haut de ces piles très très plates et qui aurait fait céder un arc-boutant. D'accord. L'arc-boutant ayant cédé, il y aurait eu la chute de voûtain. Et les tirants métalliques que l'on voit ont été ajoutés suite à la restauration ou c'était à l'origine? Alors les tirants, on les a étudiés et aujourd'hui on a la certitude qu'une ossature métallique était en place dès la construction. D'accord. Donc on est à Beauvais extrêmement novateur, on est pionnier dans l'art de construire et la pierre et le fer font bon ménage dès l'origine. D'accord. La troisième catastrophe qui touche la cathédrale a lieu au début de la Deuxième Guerre mondiale. Beauvais est bombardé entre le 5 et le 9 juin 1940. Plus de la moitié de la cité est détruite.
la quasi-totalité du centre-ville disparaît. Les structures principales de la cathédrale restent intactes. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les vitraux. La plupart de ceux qui colorent joliment l'intérieur de l'édifice datent d'après 1945. Jean-Lucien nous emmène maintenant au sommet de la cathédrale, à 64 mètres de hauteur. Il y rejoint Patrick Hofsommer. Patrick est archéologue, spécialisé dans l'étude des charpentes médiévales. Ici, on est dans la partie la plus ancienne de la charpente qui a survécu à tous les accidents. Contrairement à ce qu'on le pensait, la charpente d'origine, qu'on voit très bien ici, avec de magnifiques pièces de suspension, des éléments principaux juste au-dessus des voûtes, cette charpente a tenu de ce côté-là. Alors on a pu le dater, oui. Donc on a fait une série d'échantillons, voilà, par exemple. Donc ça, c'est la trace d'un carottage pour la dendrochronologie qui permet de dater l'abattage du bois à l'année près. Alors ici, on est en 1257-58. On peut suivre vraiment les traces des artisans, notamment le fait qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle des échelles de perroquet, c'est-à-dire des échelons qui sont placés dans ces pièces verticales. D'accord. Pour pouvoir escalader la structure principale au moment où on construit la structure secondaire. Car il y a vraiment deux structures, hein, une principale avec ces grosses pièces verticales qui travaillent en traction, qu'on appelle des poinçons, ces grandes pièces horizontales qui sont les entrées qui vont d'un mur à l'autre et qui sont placées avant la construction des voûtes. En fait, on place les engins de levage pour la construction des voûtes dans la charpente et on installe ainsi après les différentes structures, ces grandes fermes triangulaires. Et tout ce travail de préparation du bois se faisant au sol, on peut suivre aussi le geste du charpentier, notamment au travers de son marquage. C'est un ancien engin de levage, ce qu'on appelle aussi une roue d'écureuil. C'est une machine, en réalité, pour lever les charges, pour lever les matériaux, qui permet de lever jusqu'à 3 tonnes quand on a des démultiplications suffisantes, donc des poulies. Donc en fonction de l'importance de la charge, là où les personnes, on peut mettre jusqu'à 2 personnes dans le tambour, montent un peu plus haut de façon à entraîner le mouvement. Et on compte quelques exemplaires conservés en Europe de ce genre d'engin, notamment à Salisbury, où là on a encore une roue du XIVe siècle. Ici, on est au-dessus de la voûte annulaire qui est sur le rond-point du cœur, donc c'est toujours très impressionnant de se rendre compte de la hauteur. On va regarder ça. Alors, on va enlever le drapeau. J'ai oublié de prendre l'appareil photo. Ah, t'as oublié, c'est dommage, oui, parce que là, on a vraiment une vue exceptionnelle. Ah oui. Jean-Paul Crabbe confectionne des montres et des horloges. Il est responsable de l'un des trésors de la cathédrale, composé de 90 000 pièces mécaniques, l'horloge astronomique de Beauvais. Un chef-d'œuvre conçu au XIXe siècle par un personnage étonnant. Auguste Lucien Vérité, qui était un homme, un horloger brillant, reconnu, qui a conçu cette horloge de 1865 à 1868, qui avait affiché le temps dans toute la gare du Nord, l'évêque Monseigneur Gignoux, qui était l'évêque au XIXe siècle à la cathédrale de Beauvais, lui a dit « T'es un enfant du pays, tu es brillant, fais un chef-d'œuvre, éclate-toi, dis tout ce que tu sais dire. » Il a fait un meuble parfaitement symétrique. C'est une horloge avec un pendule qui fait 45 kilos, ce qui est tout à fait exceptionnel. 12 mètres de haut, 5 mètres 80 de large, elle a 52 cadrans. Par exemple, pour le cadran coloré que vous apercevez sur la gauche, là, qui est le cadran des saisons, eh bien, cette aiguille, elle tient compte des années bissextiles. Quand il y a un 29 février, une journée tous les 4 années est supprimée. Donc tout ça est programmé avec les cames nécessaires pour que la précision d'indication, par exemple des saisons, soit toujours à l'apogée de la perfection.
Là, on a l'heure des marées au Mont-Saint-Michel. Plus les marées sont grandes, plus vous apercevez de sable au pied du Mont-Saint-Michel et vous avez l'heure de la pleine mer au Mont-Saint-Michel. Dans la partie supérieure, un cadran tout à fait unique, ce sont les éclipses totales de soleil au méridien de Beauvais. Ce phénomène se produit tous les 370 années. Vous comprenez aisément qu'il faut ralentir énormément un cycle pour avoir une rotation d'un mobile qui fasse un tour tous les 370 années. Cette horloge a deux niveaux. Il y a la partie où il y a les 52 cadrans, c'est la cité terrestre, et au-dessus, c'est la cité céleste. Et Auguste Lucien Vérité a voulu laisser un message biblique dans cette horloge, et il a fait un mécanisme des automates qui s'appelle le jugement dernier. Le premier quart d'heure, l'enfant qui joue au bilboquet, qui symbolise l'insouciance. Vous avez l'étudiant, l'adolescence, la période où on s'instruit. Vous avez le guerrier, pour le troisième quart, qui symbolise l'âge adulte, et vous avez le vieillard, juste avant la scène du jugement dernier, qui vient avec le fruit de son travail, sa bourse à la ceinture, pour être jugé. Alors, on est au premier étage de l'horloge. C'est une des rares horloges où on peut rentrer à l'intérieur. On est dans la partie acoustique de l'horloge. Vous avez ici l'orgue de la vertu. Quand la vertu va au paradis, eh bien, elle est accompagnée en musique par un ange pour aller au paradis. Et donc, c'est le mécanisme qui, par un jeu de flûte et un cylindre à agrafe, propose cette mélodie. Je me souviens, la première fois que j'ai vu cette horloge, j'avais 6 ans. Je donnais la main à mon père et il est venu me montrer cette horloge et j'étais émerveillé. J'ai la chance de faire guide aux Journées du patrimoine, par exemple, et voir ces visages d'enfants qui sont là, qui s'émerveillent des automates, je trouve ça vraiment tout à fait exceptionnel. La cathédrale, ce joyau, a son écrin. Elle s'insère dans le quartier délimité par l'ancienne muraille gallo-romaine, le castrum. C'est sur ces pierres antiques que Marie rejoint Jean-Marc Fémolan. Jean-Marc connaît bien les lieux. En tant qu'archéologue, c'est lui qui a fouillé ces vestiges anciens. Avec lui, nous faisons un saut en arrière à l'époque romaine. Avant le castrum, il existait une ville beaucoup plus vaste, qui faisait à peu près 180 hectares, qui n'étaient pas enfermés, qui n'étaient pas close de mur. Donc cette ville très vaste, ce qu'on appelle aussi la ville pendant la Pax Romana, donc la paix romaine, était une grande ville avec son forum. Sous nos pieds, nous avons donc le forum, l'épicentre de la ville. Il faut attendre la fin du 3e, début 4e, où on construit le castrum, donc le rempart où nous sommes. Ce rempart, il enferme à peu près une partie de la ville de 10 hectares. Et notamment, on a vraisemblablement récupéré un grand nombre de matériaux, notamment les pierres. C'est ces pierres un peu cubiques que l'on c'est voit ça. Sur le mur. Ce que nous, on appelle ici, dans notre région picarde, les pastoureaux, ces pierres cubiques qui correspondent à tout type d'édifice, que ce soit les bâtiments publics, castrum, enfin, mais aussi les habitations. Et par contre, on voit ici, il y a des tuiles. Donc ça, c'est aussi une spécificité des murs gallo-romains. Oui, ces arases qu'on retrouve à intervalles réguliers, à peu près tous les 1,40 m. Ça, c'est pour permettre la stabilité de l'ensemble du rempart. C'est que les géomètres qui venaient une fois de temps en temps recadrer un petit peu les maçons, implantaient des arases. Ouais. Alors là aussi, ce sont encore des emplois, puisque ces tuiles, comme tu le dis si bien, ce sont des tuiles de couverture où on a rabattu les bords et qu'on a placé pour faire une bonne assise. Il a résisté à l'époque gallo-romaine, alors, en fait. Le castrum, étant l'épicentre vraisemblablement de la ville du Haut Empire, est devenu aussi l'épicentre de la vie future. Donc au IVe siècle, et après 6e, 7e, et par la suite, l'époque mérovingienne, carolingienne, on a transformé ce lieu-là
en siège épiscopal. On retrouvait donc le palais de l'évêque, qui est le musée départemental actuellement, les cathédrales, donc Basseur, et puis toutes les maisons donc, tout autour. La ville était figée. Laetitia Oliver est guide conférencière. Si elle fait visiter régulièrement la cathédrale aux touristes, aujourd'hui, c'est à un groupe d'enfants de CM2 qu'elle s'adresse. Venez, placez-vous face à la porte, que tout le monde puisse voir la porte. Il y a un symbole sur la porte, celui-ci. C'est le symbole royal. Oh, mais vous êtes doués. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de cet animal ? Alors, c'est pas un dragon, c'est une espèce de lézard. C'est un corbeau. Alors, on appelle ça une salamandre. Là, ça symbolise un roi de France, cette salamandre. François Ier. Il avait. Eh bien, oui, voilà, exactement, pour le roi de France. Il avait choisi ce symbole, François Ier, parce que la salamandre, il y a une légende comme quoi elle ne meurt pas dans le feu, elle ne meurt pas dans les flammes. Donc, c'est pour ça que. Les enfants, ils osent poser des questions, contrairement aux adultes qui, parfois, par rapport au groupe, vont se restreindre, vont pas oser poser des questions. Les enfants, il y a une spontanéité. Voilà, ils posent vraiment sur tout. Et ça nous fait en fait voir la visite d'une autre façon. Ah, ceux-là, ils sont dynamiques. Hein. Il y a un échange beaucoup plus ping-pong, ça rebondit bien. Alors, on est en 1472. Le duc de Bourgogne, est-ce que vous voyez où c'est la Bourgogne ? Oui. Eh bien, le duc de Bourgogne, il veut aller en Normandie. Alors, en chemin, il va assiéger la ville de Beauvais. Il se positionne autour de la ville. La ville était entourée d'un grand mur pour la protéger. Vous voyez en bas de la peinture les pierres qui sont en bas ? C'est le mur autour de la ville de Beauvais. Il y a un jeune soldat qui est en vert et bleu, qui est en train de grimper au-dessus du mur et il va passer à l'intérieur du mur. Il va rentrer dans la ville de Beauvais. Eh bien, voyant cela, il y a une jeune fille. Elle s'appelait Jeanne l'Aînée. Elle va se saisir de la première arme qui lui tombe sous la main. C'est une hache. Et avec la hache, elle va aller tuer le bourguignon et l'envoyer à l'extérieur du mur. Eh bien, ça va donner courage à toute la population. Ils vont tous défendre la ville de Beauvais. Et le duc de Bourgogne, il ne prendra pas la ville, il va échouer, le siège va échouer. Et cette jeune fille, Jeanne l'Aînée, va prendre le nom de Jeanne Hachette. Valérie Garcia est membre de l'association Beauvais Cathédrale. Elle y est d'ailleurs tous les jours pour accueillir les visiteurs. C'est Jean Gallard, en charge des orgues de la cathédrale, qui lui explique les incroyables possibilités de cet instrument de musique, hors norme, reconstruit en 1979. Cet orgue est composé de combien de tuyaux ? Alors, il y a à peu près 3500 tuyaux. Le plus petit fait 1 cm. Et les plus grands, qui sont en façade, 10 mètres, 50 plus le pied, ça fait presque 12 mètres, c'est 4 étages et demi, en étain pur. Et ils pèsent, les plus gros pèsent 350 kg d'étain, voilà, à peu près. Voilà. Vous avez des jeux très profonds aux pédaliers, qui sont en partie en façade, qui donnent presque des infrasons. Enfin, ça commence à 16 Hz. Voilà. Et vous avez des jeux très aigus, comme le piccolo. Alors, ça monte à l'extrême de ce que l'on peut entendre. Mais on va vous faire un petit crescendo. Alors, on commence comme ça. Voilà, il faut pouvoir être subtil par instant et se faire entendre à d'autres, voilà. Et votre plaisir de jouer de l'orgue ? Oui, c'est un plaisir, c'est certain, parce qu'on peut improviser. Et quand vous improvisez, vous êtes à la fois l'orchestre, le compositeur et le chef d'orchestre. Alors, ça va pas mal, quoi. Les blessures et l'inachèvement de la cathédrale de Beauvais font aujourd'hui son originalité.
La cathédrale carolingienne et la cathédrale gothique accolée forment un ensemble, un monument double, qui représente un témoignage historique unique. Ces deux bâtiments sont comme une photo, une image arrêtée sur un moment de la construction de ces édifices de la foi. C'est aussi en cela que la cathédrale de Beauvais est un élément essentiel de notre patrimoine.